Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc petit spoil de la vidéo de demain pour vous. Là, il est 9h08 et j'attends le facteur parce que normalement je reçois mon deuxième colis Shein. Donc je vais vous tourner le haul. Vous l'aurez probablement ce soir pour moi. Ou demain, je ne sais pas encore, suivant l'heure de livraison, le temps de filmation, de montage, de plotage et tout ça, tout ça. Voilà, sinon j'ai mal la tête. Je suis réveillée depuis 3h30, je suis complètement déréglée. J'ai dormi toute la journée hier et du coup j'ai été me coucher à 1h30, non 1h du matin, non 1h30. Et je me suis réveillée à 3h30. Voilà. Comme si j'avais fait une sieste. Je me tasse. Sinon, le week-end, pas passionnant. J'ai noté, mais j'ai rien fait. Voilà. Ah, par contre, je suis en train de nettoyer ma cuisine depuis 5h ce matin. Hein. Voilà. Ouais, j'ai fait quoi? Vendredi, j'ai tourné deux liners de la vidéo de Saint-Valentin. J'ai fait une commande Pussy Shop. Vous avez déjà eu le haul, que je vous remets en barre d'infos. Samedi, j'ai tourné encore des liners et le haul. Et dimanche, je me suis réveillée à 9h du matin, les gens. Ouh, je me suis réveillée, il faisait clair, j'avais mal les yeux. Ah, c'était incroyable. C'est la première fois en 3 semaines que je me lève quand il fait clair. Donc voilà. Sinon, j'ai dormi. J'ai joué un peu aux Sims le soir et j'ai refait une commande chez moi. Vous avez le droit de me taper, hein. Franchement, vous avez le droit. Mais j'ai quand même réussi à mettre, avec tous les achats que j'ai fait ce mois-ci, j'ai quand même réussi à mettre 250 € de côté pour mes dents. Donc, clairement, j'aurais plus du double hein, si j'avais tout mis de côté. Mais voilà, j'ai la folie des achats en ce moment. Et ça, c'est quand mon moral ne va pas bien. Je le sais, j'assume. Voilà, j'ai envie d'acheter. Quand j'ai pas le moral, j'ai envie d'acheter. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas le moral, mais voilà, j'ai pas trop le moral. Sauf quand je suis avec vous. Donc voilà. D'où le fait que j'aime filmer et tout ça, tout ça. Donc voilà, le week-end pas passionnant. Hein, là j'attends, j'actualise mon suivi Bipost parce que sur GLS, je vous ai dit que j'avais eu le code GLS. Par Chine, là, c'est la première fois que ça m'arrive, et celles que je viens de faire sont encore le même. Et du coup, GLS me dit qu'il va être livré courant de la journée, mais Bipost ne me donne pas encore comme quoi il est en cours de livraison. Donc j'attends. Après, il peut s'actualiser encore à 9h30, il peut très bien ne pas s'actualiser et que je le reçoive quand même. Donc, je cherche plus à comprendre. Du coup, je le filmerai avec ce make-up. Hein. Vu que vous avez déjà un spoil, ben vous aurez un spoil plus tôt encore. Puis j'aime bien ce make-up, donc j'ai pas envie de me démaquiller tout de suite. Je vais juste changer de pull parce que j'ai déjà filmé le haul la dernière fois avec le même pull, vu que c'est celui que j'ai mis pour faire tous les liners. Ouais, donc voilà, c'est demain pour vous, c'est les liners de Saint-Valentin. Voilà, voilà. Et c'est tout. Donc là, je vais commencer le montage, enfin terminer le montage du liner. J'ai commencé hier quand même. J'ai quand même fait un petit truc sur le week-end. J'ai commencé le montage des 4 premiers liners. Donc il ne me reste plus qu'à intégrer celui-ci au montage et à uploader, faire la miniature, enregistrer et tout ça. Donc ça, ça va aller vite. Monter la journée de vlog. Mais je pense que je vous reprendrai après. Ah oui, si je reçois ma commande assez tôt. Je ne sais pas. Ou sinon, ça sera demain pour... qu'est-ce que je vais dire? Pour faire la déco en haut, puisque j'ai acheté des trucs de déco, hein, cette fois-ci sur Chine. Et les fringues, c'est des fringues, la prochaine commande que j'ai fait, j'ai acheté 5 fringues, je sais plus. Mais bref, j'ai acheté des fringues. En fait, comme j'ai dit sur Insta, l'excuse numéro 1, c'est que c'était une super bonne promo. Et l'excuse numéro 2, c'est qu'il n'y ait plus beaucoup de pièces en stock. Donc j'ai craqué. Voilà, mais j'en ai pour moins de 40 € pour 5 francs, dont une robe. J'ai pris 3 tops, je crois. 3 tops, un gilet et une robe. 2 en 1. Enfin, vous verrez quand je l'aurai reçu. Hein.
Ça, je pense que je vous mettrai quand même en vlog parce que je vais pas tourner un haut pour 5 fringues. Et je vais essayer de ne pas refaire une commande tout fouette, tout fouette. Voilà, on va dire que là, c'était ma commande du mois prochain. Je risque fortement d'en refaire, hein, puisque voilà, c'est Chine, c'est le mal. C'est le mal, c'est l'enfer. Tout le temps, je passe ma journée dessus, des fois, à fouiller à droite, à gauche. Là, j'ai rien remis dans le panier, pour être sûr, hein, mais ça ne saurait tarder. Mais je vais me calmer. Il faut que je trie absolument ma garde-robe aussi, parce que j'ai plus de place pour ranger. Ça déborde. Donc là, je vais attaquer le montage. Comme ça, tant que ça enregistre, je peux continuer un petit peu ma cuisine. Je pense que je vais manger un bout aussi. Je ne sais pas si je filme le haut, l'avant ou après la sieste. Ça dépend vraiment de l'heure de réception. Maintenant, j'espère que c'est avec le facteur à 10h30 comme d'habitude. Parce que j'ai mal la tête. Mais c'est la fatigue. Hein. Je vous l'ai déjà dit, dès que je suis fatiguée, j'attrape mal la tête. Donc voilà. Et ça fait déjà 6 minutes que je blablate. Attendez, je cherche un briquet parce que mon truc est déchargé. Ok, c'est fait. Faut que je lave mes. Enfin, que j'ai changé, je viens de changer mes pinceaux pour le teint. Et courant de la semaine, on testera les produits que j'ai commandés dans le haul précédent. Donc pour les sourcils. Hein. Le gel à sourcils, l'humidificateur pour le savon, qui ne changera absolument rien, hein, mais. C'est marqué pro dessus, ben voilà, mamie elle craque, hein, mamie chenille. Hein. Moi les oursailles, dès que c'est marqué bro dessus, ça marche, ça marche. Et le fixateur aussi, mais bon, c'est un fixateur basique, hein, il va rien faire de plus qu'un autre, c'est juste qu'ils sont super bons à coco. Et voilà, je pense qu'on se fera du coup un petit make-up ensemble. Donc là, je ne sais pas si mon teint, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas si vous me voyez fort orange ou pas. En fait, j'ai mixé directement dans le flacon She Glam, le fond de teint She Glam en teinte nude avec le NYX Can't Stop Won't Stop là, que j'avais testé avec vous. Parce que je ne le trouve pas assez couvrant, le NYX, mais il avait une teinte parfaite. Et du coup, en mélangeant avec le nude, ça me fait une bonne teinte. Mais j'avais l'impression, sans l'éclairage, qu'il y avait un peu trop du She Glam mais pas assez du NYX. Mais avec l'éclairage, ça va. Sans l'éclairage, ça donne quoi? Alors, attendez, parce que j'ai modifié l'emplacement de mon bureau, donc du coup, l'éclairage et l'interrupteur est à l'autre bout. Ouais, mais là, il fait vraiment noir. Hein, donc attendez, je vais juste essayer de diminuer au minimum. Oh, ça a l'air d'aller. On va voir, donc oui, j'ai beaucoup de blush, hein, vous inquiétez pas, c'est par rapport à la vidéo. Donc voilà. Bah écoutez, parce que là je suis juste au-dessus du truc. Je vais vous laisser là pour l'instant. Et on verra si soit on switch deux jours, soit je vous reprends après, je ne sais pas du tout. Là, c'est montage et nettoyage. Et attendre le facteur. Voilà. Journée passionnante encore. Tout ça pour attendre le siestage. Il faut que je mange aussi, j'ai la dalle. J'ai déjeuné à 3h30 avec mes deux bouts de pizza qui me restaient, mes trois bouts de pizza. Mon chien gueule. Donc je vais aller gueuler sur le chien qui gueule. Voilà. Oh, Kevin. On est content. Allez, à tantôt ou à demain. Bon, je crois que je suis à peu près bien centrée. Je vous filme avec le téléphone, donc je vois pas. J'ai le miroir derrière. Ça a l'air bon. Alors, il est 10h12. Attendez, j'ai une page blanche. J'ai dormi 5 heures. Il y a du progrès, il y a du progrès. Donc, du coup, je me suis réveillée à 4 heures, je crois. Et aujourd'hui, c'était lessive et poussière. Voilà. Et hier, j'ai gagné un concours sur le compte Insta de Natasha Light. Que je suis depuis très longtemps, je vous ai partagé déjà plusieurs fois, j'avais même fait une vidéo d'ailleurs, je suis malade, voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai le nez, il fait le robinet, là j'en peux plus, j'ai mal, je crève de mal au nez, donc j'ai quand même tourné une vidéo ce matin, oui, je vous parle en mouchant, hein, très glamour, j'ai quand même tourné une vidéo ce matin, j'ai tourné la cuisse de Tiger, voilà, donc là je viens de me démaquiller et de renfiler mon pull, baby gugu, parce que j'avais froid. D'ailleurs, je vais mettre mon gilet sur mes jambes parce que je crois que j'ai de la fièvre.
Ah, attendez. Oh, je suis tout tombé. Je crois vraiment que j'ai de la fièvre. Faut que je prenne ma température. Et donc, on fera un unboxing et crash test. Hein, ça peut être sympa. Donc, du coup, vous aurez bien une vidéo tous les jours de la semaine prochaine aussi. Bon, je vais déjà vous donner le planning. Tiens, comme ça, c'est fait. Lundi, donc, comme c'est à Saint-Valentin, c'est les liners de Saint-Valentin. Mardi, ma rotation. Mercredi, la Queen of the Tigers. Le 17, donc jeudi, le challenge avec ma main gauche, où je me maquille ma main gauche. Vendredi, le crash test manique panique. Donc ça, je vais faire dimanche, si je ne suis pas trop fatiguée de mon anif. Ou sinon, ça sera lundi. Et donc, le unboxing et le crash test des produits du concours samedi et dimanche, le vlog. Voilà, et après on passe à 3-4 vidéos, 4 normalement par semaine, enfin 3 plus le vlog. J'ai mal les oreilles, je suis vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. Là je devais normalement me démaquiller, me remaquiller avec vous pour tester les produits pour les sourcils en vlog et me remaquiller et aller filmer la rotation pour que ce soit fait, mais j'y arriverai pas. Je suis fatiguée, j'ai mal au crâne, ça fait 3 jours que j'ai mal au crâne. Là je vais prendre un cachet quand même, je prends rarement des cachets mais il faut. J'ai déjà essayé de me remettre un peu de menthe, voir si ça calme un peu. Mais c'est les sinus hein, je pense, c'est à cause des sinus. Mais ouais, j'ai mal au pif, j'ai mal les oreilles. Donc Georges nous a refilé sa merde à l'un et à l'autre. Hein. On a été tous les 4 malades chacun notre tour. Et là, c'est mon tour. Voilà, d'abord c'était Enzo, après c'était Chérie, puis Chérie m'a refilé sa crève. Et voilà, on partage en famille, on partage. Donc j'espère que ça va vite passer. Je ne peux pas prendre de rhinofébrile puisque j'en ai plus. Georges a tout bouffé. Et mon colligine, c'est la même merde. Franchement, je ne comprends pas. Je vous ai dit, j'ai un suivi GLS et Bipost. Le Bipost me dit toujours qu'il est en cours de livraison, enfin, pas à la maison, mais pour qu'eux le reçoivent. Hein, en traitement, voilà. Bipost traite votre colis et GLS. Hier, j'ai reçu un mail pour dire qu'ils n'ont pas su le livrer. Donc, je comprends pas parce que je sais pas où est-ce qu'ils doivent le livrer en fait de base. S'ils doivent le livrer à Bipost ou à moi. Donc, je comprends pas. Qu'il y avait personne à la maison alors que moi je bouge pas. Donc, parce qu'il est pas loin, il est à AB, hein, ça continue. Je vais aller le chercher. Hein, il a une demi-heure de chez moi le colis. Et ensuite, j'ai reçu un mail carrément de Shein. Alors, attendez, je vais vous le traduire hein, parce que. Attendez, faut que je trouve la traduction. Traduire le message. Il est dommage que votre commande ait tenté d'échouer. La raison principale est due à une adresse numéro de téléphone insuffisante pour personne à la maison lors de la livraison. Veuillez contacter votre transporteur local pour obtenir le colis rapidement au cas où il retourne à l'expéditeur. Nous sommes toujours à votre service si vous avez besoin. Mais je ne sais pas qui c'est qui doit me le livrer. Je ne sais pas si c'est Bipost ou si c'est GLS. Parce que c'est la première fois que j'ai un suivi GLS, c'est ça que je ne comprends pas. D'habitude, ça passe directement chez Bipost, quoi. J'ai pas de... Donc là, est-ce que GLS doit le déposer au bureau de chez Bipost et que hier ils ont traîné et que c'était déjà fermé? Parce que j'ai quand même 2 suivis. Donc c'est bizarre. Je comprends pas. Du coup, je ne dois pas être tout, moi. Hein. En plus, je suis déjà fatiguée. Et j'ai plus de café. Oh, il manque des vitamines là. Donc là, je vais encore attendre un peu, voir si le facteur il passe. On ne sait jamais. Hein. Peut-être que les suivis sont merdiques. Et après, je vais manger et aller me coucher parce que je suis vraiment pas bien. Je vais prendre un Dafalgan et aller me coucher. Je vibre. Vous avez les notifs. Donc, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille me reposer. Je suis vraiment pas bien. Et j'espère que ça va passer pour samedi. Hein. Déjà que vendredi, je vieillis, donc ça va être dur. Mais en plus, si je suis pas bien samedi alors qu'il y a tout le monde qui vient, c'est un peu chiant. Par contre, je vloguerai pas samedi parce qu'il n'y a pas que les filles, il y a aussi ma famille. Donc, je vais pas vloguer avec tout le monde là. Voilà, je préfère profiter des gens que de vloguer. Hein. De toute façon, les 3/4 de ma famille veulent pas être sur les vidéos. Donc,
à part les enfants, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, enfin bref. Donc, bon, écoutez, on suit deux jours. Alors, il est 9h02, je me prends assez tard aujourd'hui. J'ai fait du montage ce matin, j'ai plié mon linge et tout ça, tout ça. Donc, voilà. Là, je vous prends pour faire quelques crash tests, dont notamment le produit pour les sourcils. Mais on va commencer par la coiffure. Donc, j'ai déjà mis mes produits. Alors, je suis toujours malade, hein, mais ça ne m'empêche pas de filmer, comme vous pouvez le voir. Je suis un peu blanche encore une fois. Mais voilà, de toute façon, j'ai envie de filmer, je dois filmer, donc je filme. Avec la goutte au pif, mais je filme. Donc, on va tester une autre coiffure avec mes mèches. Mais avec mes mèches. Allez, on prend mes mèches. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est faire encore une fois deux tresses, mais pas des tresses tressées. Des tresses avec les petits élastiques. Donc, j'ai préparé plein d'élastiques transparents. Et j'aimerais bien essayer, mais bon, non, la longueur ça va faire beaucoup trop grand. Ouais, non, j'ai rien dit. De rajouter des mèches. Donc je vais prendre trois fois le même gabarit, mais je vais les préparer à l'avance cette fois-ci, pas comme la dernière fois. Ah, mais vous n'avez pas encore vu le crash test, vous? Si, vous l'avez eu hier. Attendez, je prends mon agenda. Ouais, vous l'avez eu hier, donc je vous remets en barre d'infos. Je les avais pas préparés à l'avance et du coup. Je vais encore faire des conneries, je le sens. On va essayer que ce soit un peu plus fourni. Je vais en prendre deux. Hein. On va essayer avec deux déjà, voir si j'arrive à en rajouter pendant la coiffure. Bon, là, avec les petits élastiques, ça va, c'est un peu plus facile qu'en tressage. Par contre, ça s'en mêle à mort. Ça fait un peu effet papaye. Après, vous en avez partout aussi. Hein? Mais bon. J'ai hâte de recevoir les effets un peu licorne, voir ce que ça donne. Voilà. Là, on a deux mèches à peu près de la même longueur. Donc, je préparerai après. Je m'en sors pas avec mes cheveux. Je préparerai après pour la deuxième cahuète. Hein. On va faire par étapes. Hein. Je vais en faire qu'une avec vous déjà pour commencer. Mais alors, après, ça fait effet paillasson. Hein. Ok. Alors, je vais déjà séparer mes cheveux en deux. Alors, hier, j'ai tourné la Queen of the Tiger. Et j'ai eu la. Alors, j'ai lavé mes cheveux avant-hier et j'ai eu la super bonne idée de coller des strass dans mes cheveux. Donc, j'ai encore par-ci par-là de la colle à fossiles qui traînasse. Et ça fait super mal. C'est assez dur à enlever dans les cheveux. Je ne vous conseille pas. Donc, du coup, je vais les relaver ce soir. Donc, je vais les laver à l'Eden Shoulders pour continuer à faire dégorger un peu ma couleur pour refaire mes mèches. Je vais essayer de les faire dimanche si je suis pas trop fatiguée de mon anniversaire. De toute façon, vous aurez la vidéo entre-temps. Enfin, je ne sais pas quand, dans la semaine, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai programmée. On verra quand est-ce que je la fais déjà. Ah, ça y est, j'ai de nouveau la goutte au pif. Oh, j'en ai marre. Et ça coule comme de la flotte. Hein. Si jamais vous avez une solution pour ça, je prends, hein, parce que j'en peux plus. Là, j'attends ma commande Creutzwaht aussi. Hier, j'ai fait une commande Creutzwaht. Bah, j'ai repris des colos basiques hein, pour faire mes racines de chez Sayos que je prends tout le temps parce qu'elles étaient en 2 plus 2 gratuits. Donc, je les prends toujours quand elles sont comme ça. Puisque, comme moi, j'utilise un demi-flacon par un demi-flacon, là, ça me fait grosso merdo 8 mois de teinture puisque je fais mes racines une fois par mois. Donc, c'est très bien comme ça. Et j'ai pris des espèces de vitamines. Donc, je vous montrerai ça, je pense, demain. Parce que je pense pas les avoir assez tôt aujourd'hui pour vous les inclure dans le vlog aujourd'hui. Mais je vous les montrerai demain. Alors, comme hier pour vous, qui n'était pas hier pour moi, je prépare une petite méchouille. Toute collée. C'est affreux. Je vous le conseille vraiment pas hein, de mettre les strass. Dans les cheveux. Oh les loups! Je vais essayer d'en prendre un tout petit peu plus large.
et une deuxième, ceci. Il faut vraiment que je fasse mes racines, hein. J'ai presque 2 cm là. Et donc, je prends ma première méchouille, hop là, que je mets ici, et que j'attache avec un élastique. J'attache ma petite caouette ici avec un élastique transparent. Donc j'ai préparé des transparents. Ouais, ouais. Et je pense que ça s'en mêlera moins aussi avec cette technique-là que le tressage. Puisque le tressage, ben, à la longue, les longueurs, elles s'en mêlent. C'est pas assez serré, mais tant pis. Alors, est-ce que c'est de la même longueur? Ça a l'air. C'est vraiment pas assez serré, mais j'ai lâché l'élastique, bordel de cul. Je prends une séparation avec ma colle. Et je rattache. J'ai des cheveux partout sur mon bureau. C'est une très bonne idée, ce truc-là. Bon, ça fait vraiment pas joli, en fait. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, mais oui, mais normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est parce que je fais n'importe quoi, en fait. Bon, tant pis. Je vais pas m'amuser à les enlever maintenant, parce que sinon, j'en ai pour 3 jours. Oh, j'ai un trou dans mon leggings. C'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Donc là, je vais. Normalement, il faut faire la caouette et après encercler. Je fais n'importe quoi. Mais alors, je vais n'importe quoi. Des snakes qui coulent. Donc, on fait une caouette. Attendez, je sais plus comment ça fonctionne. Je fais n'importe quoi. Bon, là, ça sera juste affreux ce côté-là. Voilà, j'ai fait la caouette. Donc, je lâche pas l'élastique. Je fais n'importe quoi. Je vais essayer d'incorporer l'autre comme ça. Voilà. Ensuite, on prend cette mèche-là. On la sépare en deux. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh, mais pourquoi j'ai rien compris. J'ai fait n'importe quoi. Et on la passe autour de l'autre. Voilà, c'est comme ça. Mais oh, pourquoi je fais vraiment n'importe quoi. Bon, bah écoutez, je continue ça. Parce que comme il faut que j'essuie mon nez toutes les 2 minutes. Et je vous montre ce que ça donne quand j'ai fini les deux côtés. Alors, oui, il y a le soleil. Regardez comme mes mèches, elles sortent vachement violettes. Bref, il est 10h10. J'ai mis 1 heure à me coiffer. Et j'aime pas trop le résultat. Mais bon, tant pis. J'ai resté comme ça pour tourner ma vidéo. Donc, je vous montre. Donc, voilà jusqu'où ça arrive. Et voilà. Les trucs, ça va, c'est sympa. Mais comment ? Avec les tresses, c'est beaucoup plus joli, je trouve. C'est voilà, puis c'est moins chiant à faire. Mais voilà, sinon c'est pas moche, hein. Enfin, si, je trouve que c'est moche. J'aime pas trop. Je préfère avec les tresses. Bref. Donc, bien sûr, je m'installe. Vous allez voir que le chien va vouloir rentrer. Hein. J'ai des bébés cheveux absolument partout. Là, j'étais en train de prendre les conseils auprès de Mimi la folle pour mes cheveux. Voilà, je pense que je vais les, comme je vais les relaver à cause de la colle que j'ai encore dans les cheveux, par-ci, par-là. Je vais faire dégorger encore un peu la couleur. Donc là, j'ai utilisé le shampoing clarifiant avant-hier de Manic Panic, hein, que je vous ai montré dans mon haul. Et du coup, le bleu s'est totalement effacé et il ne reste plus que le violet. Donc c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi le violet, mais là, ici, on voit que ça commence à partir. Donc je suis contente du résultat. Je pense que Amy m'a dit de faire avec un soin
Je fais des bains de shampoing Head and Shoulders pour faire des gorgées. Elle m'a dit de le faire avec un soin pour préparer le cheveu, lui faire du bien avant de lui faire du mal, en gros. Du coup, je pense que je vais mettre un petit peu de shampoing clarifiant, le mélanger avec, pour bien faire dégorger au moins les mèches décolorées, quoi. Le reste, je m'en fous, puisque c'est du foncé, mais pour que le bleu turquoise prenne bien après sur les mèches décolorées. Bref. Donc, on continue le crash test, hein, tant qu'on y est. J'ai la flemme d'aller filmer, mais maintenant que j'ai fait mes cheveux pendant 1 heure, je vais me préparer pour les filmer, hein. Donc, on va tester en premier le Super Glue Brow Styling Gel de chez Catrice. Donc, je vous ai montré dans mon haul. Et je vous ai dit que je ne testerai plus de produits à sourcils, puisque j'étais totalement contente de mon savon. Mais je continue à en acheter. Cherchez pas à me comprendre, hein. Alors, je vais tester d'un côté avant le make-up et de l'autre après avoir mis le crayon. Donc, je vous reprendrai à ce moment-là, puisque je ne vais pas vous garder pour tout le make-up, hein. Ça sert à rien. Donc, je sens rien. J'ai le nez bouché en même temps. On va faire de ce côté-ci avant. Oh. On sent la fixation. Oh. Alors, je pensais que ça serait plus comme du gel pour les cheveux en fait, mais on sent la fixation directe. Mais je pense pas que ça va tenir super super méga longtemps, quoi. Voyez, ça le problème. Après, moi j'ai les sourcils assez épais, hein. Bah, l'application en tout cas j'aime bien, ça c'est un fait. Voilà, donc je vais faire comme je fais d'habitude avec mon savon. Je vais les plaquer avec le cul de mon pied. Par contre, j'ai un peu débordé. Hop, on essuie. Et je les rebrosse avant qu'ils soient trop 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 fixés, pour qu'ils soient bien éparpillés, écarquillés et bien bien bien, bien touffus, bien jolis. Je tiens rien dans mes mains, c'est un peu fou. Ça fait des petits paquets en séchant. On va voir, on va voir. J'en ai peut-être mis un peu trop sur la peau. Ça part tout seul. Puis après, j'ai mon goupillon qui n'est pas propre aussi, hein. C'est le genre de truc très intelligent aussi, c'est de ne pas laver son goupillon. Écoutez, le rendu pour l'instant, j'aime bien, hein. On va voir, on va voir. Bah écoutez, je fais mon make-up. J'ai de la colle partout ici. J'ai un gros patch de colle que je n'arrive pas à enlever. On verra ce que ça donne. Je reviens pour maquiller mes sourcils et on testera donc sur l'autre une fois que j'aurai déjà mis le crayon. Voir ce qui est le mieux. Mais ils ont l'air bien fixés et sans être collés. Je ne sais pas comment expliquer. Ça fait un peu comme le Anastasia. Mais on va voir si ça retombe au fil de la journée aussi, hein. Et ça fait des petits patchs quand même. Il faut faire attention de ne pas trop déborder, je pense. Après, ça fait un peu comme une colle à fossiles, quoi. Ah, là le chien. Vous savez, quand je fais le lift bro, ben, quand je mets la colle à fossiles avant pour qu'il tienne bien, ça fait pareil. Bon, je vais arrêter d'y chipoter, je reviens après. Bon, j'en suis à l'étape cruciale des sourcils. Ça fait des patchs, hein. C'est dégueulasse. Je sais pas si vous voyez, mais c'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Donc, je vais essayer de rectifier ça avec mon crayon. Donc, pour l'instant, j'utilise le NYX parce que c'est celui que j'essaye de finir. C'est moche. Pourtant, ça tient bien, hein. Franchement, il y a une bonne fixation, mais c'est affreux. Donc, j'essaye de rectifier comme je peux. Et sur l'autre, on va essayer, mais de moins monter sur la peau. En fait, il ne faut pas toucher la peau, quoi. À mon avis, il ne faut pas toucher la peau et il ne faut pas non plus le brosser. Je sais pas, j'aime pas.
J'aime pas. Bref, c'est pas concluant. C'est dommage parce que c'était prometteur, parce que la fixation a l'air bonne. Non, si ça fait des patchs comme ça, parce que là, mes oursailles, quand je fais rien, que je mets juste du crayon, quoi, c'est plus beau comme ça, hein. Alors, je vais blender le crayon et on va essayer de mettre le brassard par-dessus. J'ai une flûte. J'en ai marre de manger. J'ai mal au nez. Allez, on va essayer. Alors, je vais essayer de racler. Là, j'en ai mis deux fois. Donc, je vais essayer de racler un peu plus le produit. Oh, elle arrête pas de gueuler, elle m'énerve. Et je vais pas aller trop haut. Ça m'énerve, c'est pas assez défini au-dessus. Et on laisse sécher sans toucher. Donc là, ça va. On va voir quand ça sèche. Mais là, ça va pas du tout. Bon, ça fait des patchs dégueulasses. Par contre, ah, vu que je dois me laver les cheveux, vous savez quoi? On va tester dans les bébés cheveux. Pour fixer les bébés cheveux. Aïe, j'arrête pas de m'accrocher. Bon, là, ils sont tressés, donc c'est pas l'idéal, mais. On va voir si ça peut fonctionner. Et pour faire les baby hair. Pour faire les baby hair, ça peut être pas mal ça. J'ai essayé. Alors j'ai noté tous les conseils que vous m'avez donnés. Hein. Maintenant, est-ce que j'aurai le courage de recommencer? Je ne suis pas sûre. Ouh, je crois que j'ai envie de trouver une autre utilisation en fait. Bon, ben là c'est sec et ça fait pas les patchs, mais là c'est affreux. Oh. Donc, ouais, c'est vraiment bien pour fixer bah, comme un gel à sourcils transparent classique, quoi. Voilà. Donc, tant que je vous tiens, c'est le moment où je fixe. Donc, on va tester celui-là. Donc, il y a une petite bibille à l'intérieur, c'est pas en continu. Hein. J'ai qu'une narine qui fonctionne, mais je sens qu'ils sont super bons, la coco. Comme l'autre, le XX là, que j'utilise d'habitude. Donc il faut que je nettoie mes paupières. Alors, ils sont bons et la brume est bien fine. Maintenant, elle est juste un tout petit peu plus fine que l'autre que j'utilise, là, le Old, là. Super, c'était Old. Et il m'a fait une tache, là. Sur ce, je vais me maquiller. Demain, on testera le truc pour humidifier le savon, toujours de chez Catrice, qui sert strictement à rien. Je vais me maquiller. Je vais utiliser Martine parce que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vous reprendrai en haut pour vous montrer, puisque comme j'ai reçu ma commande Chine hier, j'ai fait ma déco avec mes plumettes là. Donc je vous montrerai ça et je vous montrerai le make-up en haut aussi. Et la journée sera bonne, hein, je pense. Après, j'attendrai mon colis. Putain, il est déjà 11h moins le quart et j'ai pas encore été filmé. Donc, il faut que je me bouge, que je m'active la nuit, là, absolument. Donc, je fais tout ça en continuant de regarder Crime, comme d'hab. Et je vous reprends en haut, je filme ma rotation. Et après, je mange parce que j'ai faim. Voilà. Non, je reprends 2 minutes parce que j'ai oublié de vous dire. Alors, attendez, je dézoome un peu. J'ai reçu donc ma commande chez In hier. Et en fait, c'est bien GLS qui m'a livré. Et je pense que GLS était déjà bien passé la veille. Mais que j'ai pas entendu. En fait, il a toqué à la porte. Comme ça. Donc, j'ai quand même une sonnette qu'il n'a pas utilisée. Heureusement que j'ai pas réussi à dormir à la sieste parce que je suis descendue. Le chien n'a même pas gueulé. Donc, alors, vous voyez qu'il gueule quand il y a quelqu'un qui passe devant la porte. Donc, forcément, si on toque. Ils gueulent encore plus fort tous les deux. Là, le chien, il n'a même pas gueulé. Donc forcément, c'est que même le chien n'a pas entendu le gâteau qui, quoi. Je suis descendue parce que j'arrivais pas à dormir de ma sieste. Et heureusement, parce qu'il y avait la camionnette devant la porte. Et monsieur était en train de ranger sa petite camionnette, tranquille. Donc il m'a fait poireauter un quart d'heure devant la porte dans le froid. Alors que je suis déjà malade. Et il m'a tapé le colis comme ça dans les mains. Puis il est parti. Voilà, même pas un bonjour. Il n'a pas ouvert la bouche. Hein. J'ai pas eu un son qui est sorti de sa bouche. Hein.
Donc peut-être que monsieur râlait parce que j'ai pas été assez vite à ouvrir la porte, mais il faut sonner, hein. On a une sonnette, c'est fait pour s'en servir, monsieur, hein. Et voilà. Bon, sur ce, je me maquille. Ah oui, et l'autre suivi Bipost, donc que j'avais Chine, c'est la commande Chine que j'attends encore. J'ai pas tout compris, pas tout compris. Donc voilà, là j'attends le code des Zénio qui doivent m'envoyer pour le partenariat. Donc j'attends pour passer ma commande. J'ai déjà fait ma petite sélection et j'ai hâte. Voilà, bref. Donc je vous reprends en haut pour vous montrer le make-up et la déco. Je filme et puis je verrai bien. Je sais pas ce que je vais faire après, il faut que je dorme, mais comme j'ai ma commande, de toute façon je dois attendre 13h que genre je rentre de l'école déjà. Et voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je suis prête à filmer ma vidéo, il est midi, il est 11h42. Oui, ça fait 2 heures que je me pimpe pour une vidéo qui va durer moins de 10 minutes. Voilà, et je suis gelée parce que j'ai oublié d'allumer mon chauffage avant de monter. Bref. Donc là, le make-up, j'ai utilisé donc la palette... La palette Martine, j'allais dire Martine. Et j'ai mis mes faux piercings. Voilà, et ça me donne encore plus envie de faire des vrais. Pour l'instant, on va se contenter des faux, hein. Ça fera moins mal. Voilà, et moins cher. Et voilà donc ce que ça donne la déco. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au montage. Mais j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Voilà, alors sur les lèvres, j'ai mis le Santa Baby de Jeffree Star. Voilà. Ensuite, du dessus, il a du mal à tenir à l'hélix. J'essaie de le pincer un peu. J'allais dire le pincer, mais je ne sais plus parler. Bon, je vais vite tourner ma rotation et aller manger parce que j'ai faim. Très, 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 très faim. Déjà que j'ai presque rien mangé hier parce que j'étais pas bien. Donc, du coup, bah, j'ai vraiment la dalle. Donc, bah écoutez, de toute façon, moi, je vais filmer ça. Et puis manger, attendre Georges. Et je pense que j'irai à la sieste, vu qu'il sera là pour mon colis. Voilà. Et demain, je vous montre ma petite commande. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Mais voilà, je vous montrerai ça demain. Et j'ai remis le fard Médusa. Ah, et j'ai testé le retesté. Donc que vous avez eu hier, mais que moi, ça fait déjà presque 2 semaines que je l'ai testé. Le Max Impact mascara de chez Shein, enfin Shiglam. Et en prenant de l'âge, il est pas mal. Mais elle m'énerve cette mèche-là. Il est pas mal. Je sais pas ce que vous voyez, mais j'aime plutôt bien le rendu. Voilà. Donc, je vais inclure de toute façon dans ma rotation. Attendez, je me remets comme il faut pour vous dire au revoir. Enfin, demain. Voilà. Donc, sur ce, on switch le jour. Donc j'espère que je suis bien mise. Je vous filme avec le téléphone à l'envers. J'en profite, monsieur, il est rond. Il est 11h02 et voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire à part que je me suis levée à 3h ce matin, que j'ai essayé de rendormir ce matin, pas moyen. J'ai fait dégorger mes cheveux, donc j'ai fait un masque avec après-shampoing Pantene. Attendez, je mets une page blanche. Pour faire dégorger au max, et tantôt je ferai mes racines, comme ça je laisse tranquille jusqu'à dimanche pour faire ma décolo et mes mèches. Donc je vais vous montrer, j'ai reçu ma commande Creutzwaht hier. Donc j'ai commandé la Saios Cosmic Blue. Voilà, j'espère que vous voyez parce que je ne sais pas si je suis centrée. Donc j'en ai pris 4 puisqu'elles étaient en 2 plus 2 gratuites, et c'est celle que je préfère, mais elle n'est pas toujours dispo. Puisque c'est une 10 semaines d'intensité et c'est une couleur. Voilà. Il y a une haute concentration de pigments. Donc elles sont très bien, ces colos-là. Et j'ai pris du Ashwagandha Forte de chez Orca. Donc je me suis dit, je vais tester. C'est en 2 plus 1 gratuit. Donc comme c'est une cure d'un mois, ça me fera 3 mois. Ça contribue à plus d'énergie et à une diminution de la fatigue. Soutien en cas de stress. Optimisation de la concentration et de la vigilance. Favorise la relaxation et un sommeil réparateur. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, si ça fonctionne, tant mieux, hein. Donc c'est une racine, si je dis pas de bêtises, aussi appelée ginseng indien. Plante principale de l'Arabie
Ayurveda, c'est un adaptogène qui favorise l'équilibre dans l'organisme. L'une des propriétés importantes des adaptogènes est leur influence positive, tant que sur le plan physique que mental. Donc on verra bien ce que ça vaut. Là, j'en ai pris un ce matin, mais c'est pas au bout d'un jour que je verrai la différence, hein. C'est juste que là, en plus, je suis malade. Donc, là, après, je vais manger, je vais essayer d'aller dormir. Et j'ai pris des vitamines pour les cheveux. Alors, j'en ai pas forcément besoin, hein, on est d'accord. Ça leur fait pas de mal de toute façon. Mais c'est parce qu'elles m'ont fait penser au Airbus. Donc, je les ai pris. Vous avez 60 gummies. Normalement, il faut en prendre deux par jour. Moi, je vais en prendre que une. Voilà, monsieur. Donc, je vais en goûter une avec vous. C'est au goût de fruits. Je vais attendre qu'il passe derrière. Contiennent de la biotine et contribuent au maintien d'une peau et de cheveux normaux. Goût de B. Convient aux végétaliens. Donc on verra bien. C'est des petits lapinots. La texture n'est pas très agréable en bouche. Le goût est bon, mais c'est pas très agréable en bouche. Hein, c'est bizarre. Donc moi, j'en prendrai qu'une par jour. Ça fera du bien à ma peau et à mes cheveux quand même. Et voilà. Donc, je vous reprends demain pour vous dire au revoir et on fera la première seconde de la vidéo ensemble. Voilà, c'est tout, puisque demain c'est mon anniversaire. Et je vais tout préparer pour quand les filles elles viennent. Donc, voilà. Donc, sur ce, on se fiche, je crois. Happy birthday to me. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai 42 ans. Voilà, je me fais vieille. Alors, faites pas attention à ma tête de folle. Voilà, j'ai une tête de quenuche. Mais je suis en train de vous filmer depuis 3 heures ce matin. Oui, je suis réveillée depuis 2 heures et je fais mes cheveux depuis 3 heures. Le crash test manique panique que vous aurez la semaine prochaine. Donc j'ai attaché mes cheveux comme ça, vous voyez rien. Mais là j'ai juste fait la décolo hein, pour l'instant. Là je vais aller les sécher avec mon super sèche-cheveux industriel. C'est-à-dire mon poêle à peler, parce que j'ai pas de sèche-cheveux. Donc je me mets devant la soufflerie. Du poêle à peler. Voilà. Donc, je vais juste préparer avec vous ce qu'il me faut pour me maquiller demain. Alors, en sachant que ça va aller assez vite parce que j'ai mon petit bloc de tiroir ici et j'ai tout ce que j'utilise, crayon, liner et tout ça. Enfin, quoi que mon liner est en dessous. Voilà. Mais je pense que je vais plutôt faire un liner coloré parce que j'aurai pas beaucoup de temps de me maquiller, donc je sais pas quelle couleur je vais faire. Je mettrai le pull avec les perles. Est-ce qu'il y a une couleur là-dedans que j'ai pas? Enfin oui, il y en a plein que j'ai pas encore testé, mais je sais pas laquelle utiliser. Et dans les évolutions. Je ne sais pas. Je regarde dans les monos aussi. Attendez, je réfléchis. Mon pull est beige, donc je peux mettre n'importe quelle couleur. Bon, je vais prendre celle-ci et je pense que je ferai soit le bleu ici, soit un de ces deux-là. Je sais pas. Je verrai bien demain suivant comment je suis lunée. Donc je prends ça. J'ai des paillettes avec mes highlighters en bas. Il me faut un pinceau liner. J'en ai un en bas. Ben voilà. Bon, un rouge à lèvres, oh, ben, je mettrai un de ceux que je dois terminer. Quoique, attendez, je réfléchis. Je mettrais bien un des Natacha Denona. Lequel? Je vibre. Vous allez entendre beaucoup de motifs, mais tout le monde m'envoie plein de messages. Okay.
Oh, je mettrai celui-ci, des Natasha Denona. C'est le I Need the Nude Jennifer. C'est celui qui m'aime le plus, en fait. Là, c'est le Sousal. Ok. Donc, je mettrai celui-là. Et voilà. Ah, ou Marc Jacobs. Attendez. J'hésite. Non, je mettrai le Natasha Denona. Voilà, en muqueuse, je mettrai du noir. Et ça, c'est pour ranger. Alors, il ne me reste plus qu'à faire ma seconde, à filmer ma seconde, puisque du coup, je commence aujourd'hui pour moi la seconde pour toute l'année de mes 42 ans. Donc, je vais la filmer avec vous. Mais je ne sais pas si en enregistrant une vidéo avec mon téléphone, le son va continuer à s'enregistrer. Donc, on verra bien. De toute façon, c'est vraiment juste pour une seconde. C'est le principe même de... Je ne sais pas encore comment je vais monter ça, mais on verra bien. Voilà, donc là, je vous ai plus posé là. Bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, parce que là, je dois achever de filmer ma colo, faire la colo, hein, non seulement. Je vais aller commencer à éplucher les patates... pour faire les frites, pour mettre dans les tacos de demain. Parce que demain, j'ai tout le monde qui vient. Donc, je fais des tacos et j'ai envie de faire des cakes salés pour l'apéro. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de pas dormir aujourd'hui, même si j'ai pas dormi de la nuit. Je suis depuis 2 heures au matin. Mais je vais essayer de pas dormir pour essayer de récupérer un rythme. Je ne comprends pas pourquoi je suis déréglée comme ça, mais ça devient... Hier, je suis montée à 22 heures. 22h et à 2h je t'ai réveillé et je suis en pleine forme depuis, hein, un truc de fou. J'ai déjà pas arrêté depuis ce matin. Donc voilà, bah écoutez, attendez, je viens de voir que j'ai de la poudre décolorante partout. La colo, ça va être beau encore. Je sais rien faire de façon propre, moi, c'est un truc de fou. Donc on se retrouve normalement tous les jours de la semaine encore cette fois-ci, peut-être pas le samedi. Je ne sais pas encore comment je vais savoir jongler pour ma semaine, parce que j'ai pas toutes mes vidéos, chose qui est très rare. J'ai pas ma semaine d'avance, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir avancer. Il y a normalement le crash test des produits du concours que j'ai gagné chez Natacha, mais elle m'a toujours pas envoyé de message pour me dire qu'elle avait envoyé le colis, donc je ne sais pas si je l'aurai dans la semaine. On verra bien, de toute façon ça ira au feeling. Et voilà, là vous aurez les vidéos jusque jeudi. C'est celle de jeudi, les cheveux, donc voilà. On verra bien pour vendredi et samedi, voir aussi ce que je vais avoir comme cadeau, là, que je peux faire des vidéos avec ou pas. Il y en a une, oui, parce que je sais, c'est le cadeau d'Emmy, donc je vous montrerai mes cadeaux de toute façon dans le prochain vlog. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait, surtout que ça me fera un beau cadeau d'anniversaire. On se retrouve demain de toute façon et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.